Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless. Aujourd'hui, je vais enfin terminer ma décoration spéciale Noël. J'ai deux sapins à monter. Un sapin, je le ferai donc dans cette vidéo et l'autre, je le ferai off camera. Je vous montrerai aussi quelques modifications que j'ai apportées aux précédentes décorations. Mais avant de commencer, on va faire un petit récap. Donc, on a décoré le front porch, donc l'entrée principale, le foyer, la cuisine, le salon et la salle à manger. Et aujourd'hui, on va décorer le sapin. Comme je le disais au départ, donc j'ai deux gros sapins à monter. Alors, j'ai un très gros sapin que je vais mettre dans le bureau et que je vais décorer off camera. Et pour le salon, j'ai sélectionné celui-ci. C'est un sapin qu'on appelle pencil. C'est vraiment un sapin qui ne prend pas beaucoup de place. Il est très mince, skinny, pencil, voilà comment on l'appelle. Et c'est celui-là que je vais décorer. Je commence donc par le sommet du sapin. Je vais placer ce gros nœud. Je vais ajuster les rubans et je vais ajouter les autres ornements. Voilà, je vais maintenant vous montrer les modifications que j'ai faites. Pour le front porch, donc j'ai ajouté ce nœud à ma plante spirale. Dame Nature a été vraiment généreuse, il n'y a pas eu de neige pour un mois de novembre. Là, on est en début décembre, toujours pas de neige. Pour le foyer, j'ai simplement changé de vase. J'ai pris ce vase avec des cornes de cerf. Et sur la partie supérieure, j'ai mis un petit cerf, un petit reindeer. Voilà. Dans la salle à manger, donc j'ai enlevé la plante que j'avais mise dans le mini bar. J'ai délocalisé donc ce cadre. Et j'ai aussi ajouté cette couronne. Sur le buffet, j'ai apporté de gros changements. J'ai déplacé le centerpiece qui était là, je l'ai mis sur la table. Donc j'ai mis cette grande guirlande, je l'ai déposée sur ce chemin de table pour ne pas rayer le bois. Alors j'ai ajouté un cerf, un sapin, le signe peace et puis quelques ornements. Et comme je disais, donc sur la table, j'ai mis ce centerpiece. J'ai gardé la lanterne et le gros bougeoir et j'ai aussi gardé le nutcracker. Voilà, pour le salon, j'ai ajouté ces stockings. Et sur le mantle, je trouvais que la guirlande était trop fine, donc j'ai ajouté une autre guirlande pour donner du volume.
Voilà. Et c'est terminé pour aujourd'hui. C'était une vidéo très courte. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour un house tour. Je vous montrerai dans tous les détails ma décoration de Noël pour 2020. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.